Sean, j'ai une grande mission pour toi. Oui. Ce matin, un autre lofter aura la mission de voler le cadeau de Brenda Lee. Ta mission est d'empêcher ce lofter de subtiliser le cadeau. Tu dois garder ta mission secrète. D'accord. Lui, change ton cadeau de place. Pourquoi? Je sais pas, je sais ça comme ça. Je change pas de place, il est bien là. Sean Edward, confessionnal. Edward, ce matin, un autre lofter aura la mission de protéger le cadeau de Brenda Lee. Ta mission, Edward, est de le subtiliser. Tu dois garder ta mission secrète. OK, ben moi, je protège le cadeau, puis moi, je le vole. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. C'est l'avant-dernier samedi de l'aventure et aujourd'hui, le maître sera très généreux. Ce soir, Maria va recevoir une offre inespérée et si Brenda Lee ne se fait pas voler son cadeau, elle aura peut-être la chance de l'ouvrir. Mais pour tout de suite, vous allez voir que le destin de ce cadeau est plus que jamais entre les mains de Sean Edward. OK, ben moi je protège le cadeau puis moi je le vole. Il faut protéger le cadeau, mais... Mais il faut le prendre. Laisse-moi m'occuper de le prendre. Et toi, tu le protégeras. OK. Est-ce que les autres vont être fâchés avec nous? Non. Est-ce que tu leur diras rien? Café, Sean. Let's go. Mais go, on va mettre ça dans l'eau froide. Non, ça tâche pas, Gabon, non. Je sais-tu, moi, qu'est-ce qui tâche pas? Café, vin. Vin rouge, vinaigre balsamique. Mission accomplie. Je l'ai volé. Et moi, je le protège. J'avais une mission ce matin, puis c'était de protéger le cadeau à Brenda Lee. Et le maître vient de m'annoncer que le cadeau n'est plus dans la chambre. Peut-être que quelqu'un d'autre a la mission. C'est quoi? Dans la chambre des filles. Bon. Ben, il est encore dans la chambre des filles, tu penses? T'as fait le maître? Aïe, aïe. Sérieusement, c'est vrai. Puis toi, tu fais jamais bien ta job, bordel. T'aurais pu me le dire. C'est ton Chuck! Cadeau! C'est ta mission! Mais c'est ta mission! Check dans celle-là. Mets ta main. Tous les lofters au salon, s'il vous plaît. Sean, tu as échoué ta mission. Edward, ce matin, je t'avais donné la mission de voler le cadeau de Brenda Lee. Oui. Ce que tu as réussi, de très belle façon, je dois l'admettre. Merci. Edward, tu peux te diriger vers le sas pour y découvrir ton cadeau. Bon, ben, bravo. Cependant, Sean, comme ce matin, je t'avais donné la mission de protéger le cadeau de Brenda Lee, chose que tu n'as pas réussi de faire, je te demande de remettre ce cadeau au sas. Sean Edward, bordel de merde. Tu t'es fait avoir toi aussi? Là, je le garde sur moi! Ah! Au retour!
jours, Marie-Ève reçoit une proposition de rêve. Ah! Hey, c'est une... Je suis très en forme aujourd'hui. Ah. Lofter, j'aime beaucoup la musique. Et en début de semaine prochaine, Marie-Ève et Sean Edward enregistreront une chanson au jardin avec la complicité de Rhythm FM. Eh? Ah! Hey, c'est nice! C'est assez Oh, wow. Mais attention, Lofter, ce n'est pas tout. Marie-Ève, oui? Sean Edward, vous devez écrire les paroles de cette chanson vous-même au cours des prochains jours. Wow. C'est Marie-Ève et Sean qui décideront de la façon de procéder pour écrire les paroles de la chanson. De plus, Marie-Ève, c'est toi qui composeras la musique. Demain, tu auras accès à un clavier au jardin pour composer votre succès. T'es malade. Wow. T'es trop hot. Hey, j'en reviens pas, c'est mon rêve, le plus beau rêve qui pouvait pas, que je voulais réaliser. On s'entend, là, c'est une chanson qui va passer à la radio, c'est fou. Je sais pas. Quand on s'arrange ça, comment on fait... Couplet, refrain. Mais on veut que ça vienne de nous, qu'on écrive notre histoire un peu, l'histoire du loft, puis on va impliquer les autres. Tu arrives à écrire mon histoire? À écrire une histoire. À écrire une histoire. Et comme... Je t'en veux! Quand je les regarde chanter, ces deux-là, c'est du talent et beaucoup de talent à découvrir. À écrire notre histoire. Sérieusement, là, je suis très contente parce que ça va pouvoir les aider. Puis, c'est ça, tu sais, si vous n'avez pas un petit contrat de danse, ben moi aussi, ça me ferait plaisir. Je presse. Je m'aime mieux un peu, pas. C'est quoi? Oui, j'ai. Oui, oui! Cette semaine, Jean-Philippe t'a remis un privilège. Oui. Quel était ce privilège? Alors, mon privilège, c'était de choisir le souper de mon choix et d'inviter les trois lofters que je voulais partager ce cadeau, ce privilège-là avec moi. Donc, j'ai fait mon choix et j'ai choisi Jean-Philippe parce qu'il m'avait donné le privilège et je voulais qu'il partage avec moi. Sean, parce que t'as pas eu la chance d'avoir beaucoup de privilèges à date. Puis j'ai choisi Kim aussi pour partager ce moment-là avec moi. Et en laissant David et Brinelli une petite soirée en souper tranquille. Et je vous annonce que c'est pas un souper gastronomique, mais on va manger du Saint-Hubert ce soir. Marie-Ève, tu dois maintenant monter au confessionnal avec tes convives. Nous allons prendre votre commande. Yeah! Yeah! Vous pouvez des comptes levés. C'est moi, c'est traditionnel. Tu veux une bonne salade César, ma chère? Une salade César. Une bonne salade César. Une bonne salade César. Une bonne salade César. Une bonne salade César. Jean-Philippe. Tu veux que je fasse la poule? C'est pas lui qui fait ça, c'est impossible! Ah, c'est la Ce soir, nous mangeons de la poule! Checkez ça, les filles! Filles! Et c'est ma plade! Oh, oh c'est ça... beau! Terrible! Oh, yeah, les gars! Hey, à notre. À notre soirée! À notre aventure à Love Story! Voilà. Mais, hein. Après la pause, Brenda Lee ouvre enfin son cadeau! Dolly? Oui. David? Oui. Confessionnal. Good.
Bon. David? Oui. Brenda Lee, je vais partager avec vous un de mes grands secrets. Oh, good. Oui. Brenda Lee, as-tu hâte de savoir ce que j'ai mis dans le petit cadeau que je t'ai remis? Ben, c'est clair que j'ai hâte de voir. Brenda Lee? Oui. Dans ta chambre, tu iras ouvrir ton paquet. Chambre vacances. Ah ouais, de pêche? Ben là, je suis vraiment contente, là. Ah ouais, tu... OK. What? What? Tu veux retrouver tes vêtements? Oui. Bonne chance. Quel est ton plus grand fantasme en détail? C'est pas compliqué. Mon genre de fantasme, c'est une femme latino. Look hispano, très grande, jambes affinées, bronzée. Et ce que je lui ferais, ça se dit pas à la télé. Donc. Ma parle aux annonces. Ouais, tu veux, hein? Tu veux que je t'en parle? Bien, certainement. Hein? Déjà là, ça commence toujours par être très casual. Ça, je la définis tendrement. Je l'installe sur le lit. Elle n'a pas le droit de me toucher. Bien sûr, mon bébé. Attends, c'est moi qui ai bu du vin ou c'est. C'est pas gay de vous donner un bec? Non, non, non. C'est ça. Oh, désolé! Quoi ça? Non. Clé de même, ça doit servir à ouvrir une porte, là. Regarde bien ça, tu veux-tu que je dévisse la peinture de la porte? Mais non, papa! Ben là, j'imagine qu'on n'a pas le droit d'ouvrir une porte ou ce qu'on n'a pas le droit d'entrer. David, oui. Brenda Lee, oui? Votre temps est compté. Hey, c'est une joke, là! Merde! Attends. Oh! Oh! Ah, ben maudit! Merde, c'est pas ça. Hey, vite, dépêche-toi! Ouais, ben la terrasse, on peut. Dans la terrasse, je pensais pas que ça, c'est sûr. Oh, mais regarde, on va tout faire, là. Check donc en dessous, ici. Ben, j'ai checké tantôt. On a le temps. Non, je te dis ça va passer vite. Moi, je veux le trouver. Là. Ouais. On va faire pièce par pièce, OK? Ouais. En haut? Ah, oh, ouais. C'est bon. Oh, ben, c'est sacrément. On dévisse ça, on s'en va dans la chambre des mains. Hein? T'inquiète. Oui, c'est sûr, c'est. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous serez les premiers à accéder à ce petit corridor. C'est ça. Oh, my God. On est vraiment les deux premiers à avoir vu cette salle? Tout à fait. Wow. Cette pièce, Marie-Ève, doit rester secrète. C'est un secret entre toi, moi et Charles. Personne n'y a jamais eu accès. Bonjour à toi, Brenda Lee. Bienvenue dans mon bureau. C'est ici que je travaille. Tu vois, Brenda Lee? Oui. Juste à tes côtés, il y a tes bagages. Oui. Tu pourras emporter tes bagages du côté du loft. Mais j'ai bien peur que la valise ne passe pas dans le tunnel. Oui. Tu dois vider tous tes vêtements et les emporter par le tunnel. Il vous reste 15 minutes. Faites rapidement. C'est moi qui ai le plus de linge ici en plus.
m'entends maintenant, Brindali? Oui. Écoute-moi bien. Juste avant de quitter, j'ai caché deux enveloppes. Okay. Dans les deux boîtes à votre effigie, juste à ta gauche. Tu vois, Brindali, il y a un voyage Go Travel dans ta boîte. Un autre voyage Go Travel. Brindali? Oui? Vous ne pourrez ramener dans le loft qu'une enveloppe. Soit la tienne ou soit celle de David. Qui sortira de ma chambre avec un voyage? Moi, certain, fait que c'est toi. C'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Je veux pas ramener mon enveloppe. C'est toi. Gros, vite. Ok, je vais prendre la mienne. Félicitations, Brindali. Dépêchez-vous, retournez dans le tunnel et fermez la deuxième grille. Ne faites surtout pas de bruit. Tu vois là, mademoiselle, le linge de voyage. On a juste le bronzage, si ça va être une soirée parfaite. Oui. Bon, c'est parti. Tes yeux? Mmh. T'ouvres pas tes yeux, hein? Mais non. Bon. Oh boy, là, tu vas mettre dans la salle de bain, là? Non, de quoi tu parles? Là, mademoiselle? C'est beau, boy. Vous les ouvrir. Aïe, aïe! Wow! Oh my God! Pourquoi j'adore les chandelles, en plus? Et voilà. Oublie ça, là. Vraiment cool. À chaque fois qu'on va vouloir s'en parler, on va pouvoir faire tout. Vraiment, une mission impossible. Oh, mais oui, c'est malin. Brindali? Oui? Ils vont sûrement te poser des questions au sujet de ton cadeau. Oui. Je pourrais t'aider à avoir un alibi. Tu dois aller rapidement dans le sas. J'ai mis du nouveau papier d'emballage. Nous allons remballer ton cadeau avec ton voyage Go Travel. Rapide, va chercher la porte. Ouais. Et voilà. Dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles à nous annoncer? Vous allez vous fiancer? Beau! On le savait! Genre, le bureau du maître, là, c'était comme. Hey, ça a comme vraiment fait quelque chose, là. C'était comme. Waouh! Tu sais, je... Ah, vous avez eu de l'alcool? Passez une belle soirée. Très belle soirée. Mais j'ai eu mon linge. Oui? Ah, peut-être une ouverture de cadeau, alors. Oui, peut-être! Trippé. Ah. Wow! Juste, mais moi, c'est plus le thrill que d'entrer dans quelque chose ou découvrir quelque chose que aucun être humain n'avait jamais mis le pied. On a traversé le linge de Brindali qui était genre un gros tas. Même pas dans ma valise, on avait tout chupé. Dans ça, ça perd. Non. Cher Lofter, oui! Ce soir, durant votre souper au jardin, Brindali a reçu ses vêtements. Bravo! Du même coup, elle a la permission de déballer son cadeau. Okay, félicitations, Lofter. Go Travel Direct t'offre un voyage pour deux personnes, tout inclus à Saint-Martin à l'hôtel Le Flamboyant. Tu vas à Saint-Martin? Ouais. Bravo! Un voyage jusqu'à Love Story.
C'est presque tout pour ce soir. Soyez là demain pour la spéciale du dimanche à 19h, alors que nous allons connaître votre choix et savoir qui, entre Marie-Ève et David, restera dans le loft. Aussi, nous allons connaître le pouvoir du sablier. Et on se quitte ce soir sur des images de Kim qui veut tout savoir sur la soirée entre David et Brenda Lee. Bye tout le monde, à demain! En feu, là. Je vais vous passer le niveau 1. Ben, pour toi, c'est quoi le niveau 1? M'embrasser. C'est clair, là? Ben, ouais! Puis le niveau 2, pour toi, c'est quoi? Ben, du digital, là. J'aime tes questions. Le niveau 3, c'est l'oral. Puis le niveau 4, c'est la pénétration. C'est bon. Alors. T'aurais baisé, ma chienne? Hein? T'aurais fait l'amour? Quoi, j'aurais. Oh! Kim, je suis vraiment tannée de te ramasser. Mais ramasse-moi pas. Ou ramasse-moi solide. Qu'est-ce que vous dites? L'attraction de Love Story. Une présentation de taille. Vous avez été prévenus.